Et là, comme par magie, boum, Bertrand Godin est apparu. Salut, Bertrand. Salut. C'est le fun de te voir. Ah, ça oui. fait tellement longtemps. Moi, chaque fois que je le vois, ça me rappelle des souvenirs parce qu'on a, coursé, nous, ensemble. On a fait du karting autrefois. Mais oui, ça me rappelle. Tu l'avais battu? Bien, absolument. Ben, tu me connais. Mais non, je n'étais pas à la hauteur du tout. On a eu du fun pareil. Ben oui, certain. Bertrand, merci d'être avec nous. On va parler du Grand Prix de Trois-Rivières dans les prochains instants. Mais avant, je veux revenir sur le Grand Prix de Montréal qui avait lieu en juin dernier, une édition qui t'a vraiment fait vivre des belles émotions. Hein? Ah oui, bien, quand j'ai eu l'opportunité par Marcel Lafontaine d'embarquer à Montréal, j'ai dit, il faut que j'y aille. Je peux pas sécher comme une betterave dans un jardin. Là. Donc, j'ai embarqué et puis, écoutez, ça a été une grande surprise. Ça faisait 24 ans que j'avais pas embarqué dans ce genre de voiture-là. Pour moi, là, sans pression, tu sais, quand tu savoures tout, tu sais, habituellement, même me faire attaquer, j'aimais pas ça dans le temps. Mais là, là, c'était, hey, wow, je me fais attaquer, c'est super le fun. Et là, j'ai eu une bagarre incroyable. On n'était pas loin de pouvoir faire la pole unité de cet attaqué d'un adversaire là, qui m'a enlevé quelques dixièmes de seconde. On était, mais terminé quatrième. À mon retour, c'était inespéré. En plus, dans le même type, la même marque de voiture que j'avais oui. en France. C'était symbolique pour toi. C'était très symbolique. Puis là, j'ai téléphoné à Bertrand Decoster de chez Migal pour lui dire, regarde, on a 5 victoires ensemble. À la fin du Grand Prix de Trois-Rivières, on va en avoir 8. Wow! Parce qu'on a 3 épreuves, donc je vise la victoire à Trois-Rivières. Tu l'as dit, parce que ça reste historique et il y a ta passion qui est réactivée. Cette Migal que tu as conduite à l'époque, tu l'as fait offrir pour 6 épreuves cette année, donc, à Montréal et à Trois-Rivières le week-end prochain. Ça faisait 25 ans que tu n'avais pas conduit ce bolide-là, mais surtout, ça faisait 2 ans que tu étais à l'écart de la course. On sait que tu étais impliqué dans un million de projets, mais là, tu as reconnecté vraiment avec ta passion. Oui, puis c'est plaisant de voir qu'on partage cette passion-là avec les gens. C'est très égoïste, hein, faire du sport automobile, mais de voir des gens qui se greffent, comme le groupe à l'infini qui a décidé d'être le commanditaire pour l'épreuve de Trois-Rivières. Et la compétition est tellement féroce. Écoutez, on est une trentaine de voitures. Ça, c'est la Migal. Ouais, ça, c'est le même type de voiture, le même numéro. J'ai le numéro 77. J'ai juste pas la même perruque. Comme vous avez... mais la passion là, est identique. La flamme a toujours demeuré intacte. Tu as parlé d'égoïsme. Là, tu as 50 ans. Tu as pratiquement tout fait. Tu peux pas le dire. 50 ans. Mais tu as tout fait dans le monde de la course automobile. Je regarde, par exemple, ce qui se passe dans le sport professionnel en général, mais aussi en F1. Tu as des pilotes comme Lance Stroll, Max Verstappen, Charles Leclerc. Les gars ont 19, 20, 21 ans. Toi, tu arrives à 50. C'est quoi l'évolution de l'approche d'un pilote en fin de carrière versus là, en fin d'adolescence? Ah ben c'est simple. Hein? C'est la pression. Souvent, bon, quand on regarde les pilotes de Formule 1 actuels, ils ont commencé à l'âge de 5-6 ans. Donc, déjà beaucoup, beaucoup d'expérience lorsqu'ils arrivent à l'âge de 18. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé à 18 ans en karting, mais pour l'approche, c'est simple. Il n'y a aucune pression. C'est un peu comme quand on voit les patineurs artistiques après leur compétition. Ouais. Quand ils deviennent professionnels. Oui, quand ils deviennent professionnels, là ils font juste s'éclater. Il n'y a pas de pression de résultat comme tel. C'est sûr que j'ai dit que je voulais finir premier, mais ça a toujours été. Peu importe les courses qu'on fait, on veut toujours performer. Ce qui est beau du sport automobile, souvent on a tendance à se concentrer sur les adversaires alors qu'il faut se concentrer sur soi, se concentrer sur l'équipe, se concentrer sur l'ajustement de la voiture. C'est des petites voitures qui sont vraiment agiles, qui sont extrêmement performantes, qui atteignent des vitesses quand même de 250 km/h. La fameuse porte du Plessis. Trois-Rivières, pour moi, pour tous ceux qui font du sport automobile, Trois-Rivières, c'est un endroit magique parce que c'est là que Gilles Villeneuve a épaté les gens de la F1 qui l'ont découvert pour ensuite lui donner un volant chez McLaren à l'époque, qui a déboulé chez Ferrari. Mais c'est incontournable. Il faut gagner Trois-Rivières. En tout cas, j'invite les gens à venir la semaine prochaine et en fin de semaine. C'est le rallycross ce week-end. Oui, Jacques Villeneuve est là et puis on va le surveiller parce que... On s'en va à Trois-Rivières un peu plus tard dans l'émission, mais de ton côté, ce sera à partir de vendredi prochain. Oui, exactement. Donc, le 9, 10, le 10, 11, 12. Wow! Vraiment content de te voir renouer avec la course. Moi, je suis de Trois-Rivières. J'étais au Grand Prix à chaque année. Ton nom est synonyme de victoire, justement. On l'aime, notre Bertrand. Et en plus de ça, il y a tous tes autres projets, conférenciers, auteurs, en dessous, dans tout ce que tu fais, bien sûr. Bonne chance pour la semaine prochaine. C'est gentil. Merci.